Chez l'éleveuse Aliette Faurien, dans les paddocks ornés du haras de Montaigu, entre le haras du Pin et Nonant-le-Pin, les poulains pur sang issus des plus grands chevaux de la planète gambadent joyeusement. Ils s'y sentent tellement bien qu'ils deviennent souvent eux-mêmes des cracks, adulés sur les hippodromes du monde entier. Le dernier en date, Wings of Eagles, un poulain vendu en 2015 aux investisseurs irlandais de Coolmore, se présentait cette année au départ de la 238e édition du fameux Derby d'Epsom. Ah ben voilà, là, notre amie la reine. Bon, on l'avait vue en jaune. Ouais. Je pense que c'est elle qui aurait pu nous remettre le prix pour l'éleveur. Ça aurait été mieux d'y aller. On ne va pas regretter. Hein. On a décidé qu'on n'y allait pas, on n'y a pas été. Ouais. On a vécu ça avec la famille. Mais bon, c'est sympa de revoir l'ambiance. Le derby, c'est le derby. Je crois qu'elle n'en a jamais manqué. Hein. Pourquoi on n'y a pas été? Bah oui. Parce que quand même, O'Brien, il en a 6 dans la course. Et on s'est dit que le nôtre, c'était peut-être pas le meilleur du lot. Peut-être qu'on surtout qu'il était monté par un jockey qui avait monté quelques courses dans l'année. Donc c'était le super outsider. Je crois qu'il avait monté 3 courses. Il avait monté quelques courses dans l'année. Mais c'est vrai que, c'est bête de dire, mais j'ai eu un rêve dans la nuit, je me suis dit, peut-être qu'on aurait dû y aller, peut-être qu'on va regretter. Ça c'est le 15, voilà. Ça c'est pas lui. Ouais. Voilà. Et le voilà. Le voilà. Et voilà. Ah, ils vont un petit peu nous le couper. Voilà. Ils vont nous le couper. Les chevaux qui sont pas favoris, on les voit pas beaucoup. Et lui, il n'était pas favori, parce que là-bas, il était à 40 contre 1. Ouais. Donc ils nous l'ont montré, le défilé était déjà parti, on a vu que ses fesses en fait. On n'a pas vu grand-chose. Hein. Lined up and they're off. Racing in the 2017 Investec Derby, Peeler was rather slowly away. Venice Beach amongst the leaders, with Best Solution and Douglas MacArthur going forward on the wide outside in the black sleeves and now leads the way. Also going handy is the Anvil, followed by Peeler, and Cracksman is right there as well. Permian is handy as well. Là, on y croyait pas tellement. Là, pas encore. On sait pas encore. On y a cru assez tard. Cracksman begins to find his stride, now beginning into second place and eating into the leader's advantage. Permian, Capri out very wide, Cliffs of Moher, and then Eminent. They race down inside the final 2 furlongs. Douglas MacArthur is chased all the way by... Bon, on dit va être cinquième. On se dit, on va peut-être prendre une place. And he goes on, sweeping past both of them. Eminent battling on two. Then Wings of Eagles, Cliffs of Moher. Wings of Eagles swooping though. And Wings of Eagles gets up to win. À chaque fois, le turn of foot qu'il a fait pour finir. C'est pas incroyable. Incroyable. Voilà, ça fait bon, il a bien gagné toujours. Hein. Mais je me suis assise sur la chaise qui est derrière. On a cru qu'elle allait avoir un malaise. Mes filles m'ont dit, on a cru que tu allais avoir un malaise. Heureusement, j'ai elle était toute blanche. J'ai un cœur solide. Mmh. Ah non, mais ça a été fou. Hein. Gagner le derby d'Epsom, d'abord, c'est le rêve de tout éleveur. Plaisantant, chaque fois qu'on a un poulain qui naît, on dit, celui-là, s'il nous plaît, il va gagner le derby d'Epsom. Mais en fait, c'est une plaisanterie, parce qu'on sait qu'il y a une chance infime. Et honnêtement, on n'aurait jamais pensé gagner le derby d'Epsom. Et parce que c'est quand même la course mythique, hein. C'est la course que les Anglais veulent gagner. I want to win the derby. Et le partout dans le monde entier, vous parlez du derby, c'est le derby d'Epsom. Et c'est la course la plus... Je ne vais pas dire que c'est la course plus importante que l'Arc de Triomphe, mais c'est la plus connue dans le monde entier pour des professionnels ou non professionnels. Bon, on était un haras normal qui faisait bien son travail. Là, on est un éleveur, en plus français, qui a gagné le derby d'Epsom. Et vu le nombre de foals qui sont nés en France depuis 55 ans, toutes les grandes écuries, il n'y en a pas un depuis Seabird qui a gagné le derby d'Epsom. Alors pour nous, je trouve que c'est formidable.